la Spinatory à Épinal. On se retrouve en pleine forêt. Non, je rigole, mais toujours sur le salon, c'est l'entrée. Très beau décor au passage, ça me rappelle un peu la FACT en Belgique. C'est vrai. Écoutez, grosse convention, mine de rien. Petit espace, mais bien rempli. Beaucoup de stands. Il y en a un peu pour tout le monde. Hein. Il y a du gaming, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a des animations, il y a pas mal de choses pour profiter vraiment dans l'action. Non, et puis c'est vraiment bondé à ce niveau-là. Dans quelques instants, on va aller voir Corinne. Ensuite, on suivra la conférence avec la petite surprise. On lui remettra le trophée Stargate Fusion. On va faire un petit tour de la convention. On va vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. C'est vrai qu'elle n'est pas bien grande, comme on l'a dit, mais je trouve qu'elle est bien répartie. Il y a un peu de décoration. C'est bien agencé. La seule chose que je dirais qui me manquerait, et ça peut se comprendre, ça serait les associations Stargate. Sauf que, bon, bah, ils sont sur d'autres conventions qui tombent en voilà. Même temps. C'est bien dommage. Ce que j'ai bien aimé par contre, et vous le verrez à la suite de la vidéo, c'est le coin conférence, puisqu'en fait, ils ont adapté la scène pour que l'invité soit proche du public. C'est-à-dire que là, si je ne me trompe pas, il n'y aura pas de scène. Un peu pour ceux qui aiment le foot, comme les matchs de foot anglais où les spectateurs sont au bord du terrain. Ça peut créer une petite proximité sympa, ça peut être cool. Du coup, c'est toi tout à l'heure qui va t'occuper de filmer la conférence. Oui, c'est ça. On va pas te gourer, hein, parce qu'on est, ils vont pas te pardonner. Je risquerais d'avoir des problèmes. Tu penses? Non, j'en mais... suis même sûre. Non, non, mais franchement, c'est avec un grand plaisir qu'on va le faire, parce que on a passé quand même un petit peu de temps tout à l'heure avec Corinne, un bon petit quart d'heure. Il avait l'air très content, très joyeux. Très joyeux. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Alors, Tiffany, sur le stand de Lilou. Là, de très jolies photos. Tiens, toi, Tiffany, qui t'y connais un petit peu maintenant, qu'est-ce que tu penses de ces répliques en impression 3D? Ben moi, ça me plaît beaucoup. En plus, je trouve que la peinture les met vraiment en valeur. C'est vraiment cool. Yes, I'm Corinne Nimick. And it's lovely to be back in France again. I get to come to France quite often. The French fan base has been very kind to me, and I hope that I can be just as kind back to you today. Yes, well, I've heard the rumors, like everybody, there's always rumors about Stargate and a new series. I know that MGM, I think they did some kind of a poll or something with like Stargate fans or to see what kind of new show they would want. Or I know that the response has always been very positive for a new Stargate series. And if they were to do one, I would be a moron not to accept a part in it, as especially bringing back Jonas Quinn. I would love to. Stargate is 30 years old today, so how this year, I mean. Yeah, from the movie, when the movie. From the movie, yeah. And what's your feeling to be part of such a franchise? Wow, well, I just did,
It's strange. To be a part of Stargate, the franchise, has been incredible. It opened up a whole new world of opportunity, not only for work, but for travel. Doing the conventions has been a great experience for me. I never knew that this type of event took place anywhere before I did Parker Lewis. I was completely unaware that there was this type of unified force of fandom out there that's I think is wonderful. And it's been a huge blessing for me to have been a part of Stargate. Huge blessing. I hope that wasn't too long for you. Faire partie de l'univers Stargate, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ça a ouvert tout un monde d'opportunités, de chances, et non pas seulement pour les professionnels, mais aussi ça a donné l'occasion de voyager, notamment ici dans les conventions, parce que c'était quelque chose auquel il était complètement étranger, juste avec Parker Lewis, tout ce que c'était. Le monde des fans de cette franchise qui organise des conventions partout dans le monde où il est invité, ça lui a ouvert les portes énormément et c'est vraiment une extraordinaire de faire partie de cet univers. Alors, je me présente, du coup, je suis journaliste pour Stargate Fusion, c'est le Gateway français. Et au nom de la communauté francophone, Corinne, on te remet. Surtout. Merci. Bravo, Corinne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. That's awesome. Thank you. So cool. Corinne, thank you very much for being here. And that's you. Hop. Vive la France! Allez, on poursuit notre petit tour. J'espère que ça vous plaît. J'espère aussi que ça vous donnera l'envie de venir l'année prochaine. Nous, personnellement, on a été bien accueillis par l'organisation. Même au dernier moment, la remise du trophée, écoutez, on s'est arrangé le matin même. D'ailleurs, avec l'équipe de Corinne, je ne sais pas si vous verrez la vidéo, mais entre ces deux gardes du corps et l'interprète, franchement, ils ont tous été adorables. Si ça pouvait être comme ça tout le temps, ça serait merveilleux. Non, mais franchement, c'était cool. Bon, nous, on a 3 heures de route, donc là, on va repartir. Et d'ailleurs, au passage, j'aimerais souligner la qualité du photographe qui a fait les photos avec Corinne. D'ailleurs, on va vous le montrer tout de suite. Franchement, en 2-3 shoots, il a fait sa photo. Elle est parfaite. Elle est sortie en quelques minutes. Allez, la journée se termine pour nous à Spinatori. On vient de dire au revoir à Corinne, on a passé une bonne et longue journée, faut dire ce qu'il est. On espère le revoir prochainement, on va le revoir d'ailleurs sur une autre convention dans quelques mois. Écoutez, voilà, tout ce qu'on peut vous dire c'est venez l'année prochaine si vous êtes dans le coin, ça vaut la peine. Ah oui, un élément qu'on avait commencé à souligner dans d'autres conventions, qui était quand même assez important, c'est est-ce que la convention est bien faite quand on est maman? Ah oui! Il y a des tables allongées dans les toilettes. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça peut vous sauver la journée. Voilà, le petit point positif. En tout cas, le palais des congrès à Épinal est bien fait. C'est parfait. Merci à tous d'avoir été là. On vous dit à la prochaine. Et puis salut. Salut.